Comme elle, j'ai été une petite fille aux ailes brisées, mais j'ai réussi à prendre mon envol. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire quoi faire. Comment le pourrais-je Je ne suis pas vous, mais à travers mon histoire. Mon parcours, je souhaite simplement partager en toute humilité ce que c'est que le pouvoir de choisir, ce que c'est que la peur et certainement l'amour. Je suis née au Maroc, un pays musulman dans les années 50, d'une maman juive et d'un papa allemand, qui, lui, était dans l'armée française. À ma naissance, il a été porté disparu. Ma mère m'a donc élevée seule et, pour toutes les raisons qui étaient les siennes, elle a décidé de me baptiser catholique. Malgré qu'elle eût été monoparentale et analphabète, elle a choisi de faire des affaires dans un monde d'hommes bien avant le mouvement des femmes. Plusieurs années après, en janvier 1990, j'ai choisi d'immigrer au Canada et de vivre au Québec avec quatre enfants, un mari sans emploi et une maman malade. J'aurais pu trouver toutes les excuses pour ne pas prendre ma vie en main. Je les avais toutes. Mais la vie, elle, a choisi de m'apprendre une bonne leçon, que j'avais toujours le pouvoir de choisir. J'ai été élevée avec l'amour d'une mère exceptionnelle et d'un frère de 14 ans, mon aîné. Mais lorsque j'ai eu 19 ans, ils ont choisi, pour toutes les raisons qui étaient les leurs et qu'ils avaient jugées bonnes, que je devais me marier avec un homme que je n'avais pas choisi. Je ne vous mentirai pas. J'ai pleuré. J'ai même hurlé. Et j'ai frappé dans les murs. Puis j'ai eu peur. Mais j'ai quand même réalisé que j'avais encore le choix. Que j'avais le choix de m'enfuir et de quitter ma famille. Ou celui de composer avec la situation. Peut-être. Peut-être que parce que j'ai vu ma mère se relever aussi souvent de situations difficiles, je me suis dit, c'est ma nouvelle réalité. Alors j'en fais quoi Par instinct de survie, par amour, j'ai trouvé la force de ne pas capituler. J'ai aimé mes enfants, ma famille et même cet homme, mon mari, que j'ai appris à respecter. J'ai décidé non pas de choisir de survivre, mais de vivre, consciemment ou pas. Chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons perdu le pouvoir de choisir. Lorsqu'on est jeune, nos parents, nos enseignants, et même la société, nous dictent la voie à suivre. Celle qui est supposée nous apporter le fameux bonheur. De la maternelle aux études universitaires, on nous apprend les réponses. Et... Qu'est-ce qu'on trouve agaçant les gens qui posent des questions, n'est-ce pas Et pourquoi donc Parce qu'on veut nous faire rentrer dans le moule. La conformité, elle, elle est non seulement valorisée, mais elle est exigée. Mais alors, pourquoi est-on si insatisfait pourquoi y a-t-il autant de gens malheureux, malgré les belles maisons, malgré les bons emplois, malgré les bonnes voitures Pourquoi y a-t-il toujours ce petit sentiment quelque part qui nous dit ⁇ je ne suis pas bien ⁇ je ne suis pas complètement heureux ⁇ Est-ce que j'ai choisi par rapport aux autres ai-je choisi par rapport à mon égo peut-être peut-être que je n'ai pas su dire non ou que je n'ai pas osé m'affirmer dire que ce n'est pas cette vie là que je voulais mais on n'ose pas bouger on est tout simplement paralysé par la peur mais la peur de quoi d'être rejeté de se faire juger, de se tromper, de ne pas faire partie du clan ou tout simplement de ne pas être normal. Pourtant, pourtant, tout le monde nous donne des outils, des livres, des conférences pour nous apprendre à vaincre la peur. Alors pourquoi Comme vous, comme vous, je les ai lus ces livres j'ai été écouter ces conférences. Mais j'ai encore peur. Alors pourquoi ce sentiment qui sort de mon ventre et qui dit j'ai peur toujours Car j'ai appris que grâce à ces signaux, grâce aux signaux d'alarme, grâce à ces coups de poing que je reçois dans le ventre, grâce à ces regards que j'ai eu à jeter autour de moi à 360 degrés, complètement habité par la peur, j'ai compris que la peur voulait m'envoyer simplement un message. Elle voulait simplement que je sois attentive. Elle voulait me dire que je venais de comprendre que la seule façon que je me recentre et que je vins ma peur, c'était de me recentrer sur mes pensées, de me recentrer sur mes actions et mes paroles. Très jeune. Elle m'a appris à analyser la nature humaine. Elle m'a aidé à naviguer à travers les différentes cultures et les différentes personnalités. Elle est donc devenue ma meilleure amie. Elle est la clé de ma survie. Mais au fond, si on se posait vraiment la question, de quoi a-t-on peur On a tout simplement peur de ne pas être aimé. L'humain, lui, a besoin d'être aimé et d'être reconnu tel qu'il est. Et j'ai compris, à travers les épreuves, que c'est l'amour qui nous donne la force de reprendre le pouvoir sur nos vies. Mais encore faut-il apprendre à s'aimer soi-même. Il y a souvent dans notre vie une personne qui nous livre ce message fondamental. Dans mon cas, ce fut ma mère. C'est peut-être votre père, votre sœur, votre mère. C'est peut-être vous-même. J'ai appris à m'accepter, avec mes défauts, avec mes qualités, avec mes folies, avec ma féminité, mais surtout avec ma vulnérabilité. J'ai accepté que je ne pourrais jamais plaire à tout le monde. J'ai compris que mes imperfections étaient des forces. Et que mes échecs étaient des bénédictions qui m'ont aidé à grandir et à être en fait humaine. Dès que je me suis acceptée, je me suis aimée. Pas de façon prétentieuse, non, de façon humble. Car j'existe et je n'ai pas envie d'être qui que ce soit d'autre que moi. J'ai aussi appris l'importance d'aimer et de respecter les autres, et de savoir distinguer ce que l'on peut contrôler de ce que l'on ne peut pas contrôler. Je ne peux pas choisir pour les autres, je ne peux pas contrôler leurs décisions, mais je peux contrôler mes réactions. Vous savez, on a souvent des personnes très inspirantes qui gravitent autour de nous. On les aime tellement qu'on leur cède le volant de notre vie. Chaque fois, chaque fois qu'on va décider de laisser une autre personne interférer dans nos décisions, on vient de céder la place du conducteur. Lorsqu'on a un modèle, on souhaite limiter, suivre son parcours, on veut même quelquefois devenir sa photocopie. Sans le réaliser, on vient de transférer son pouvoir. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut admirer les forces et les réalisations des autres mais il faut surtout apprendre à les adapter à nos réalités à nos valeurs à nous et surtout à notre vie. Les réponses que l'on trou qu pense trouver à l'extérieur, eh bien on les a tous. Il suffit de vouloir s'écouter. En reprenant votre pouvoir, vous ferez de votre vie ce que vous voulez. Ce ne sera pas facile, bien sûr que non. On vit dans un monde qui nous bombarde de modes d'emploi. On en trouve partout, sur tous les sujets. On nous dit, je vais vous apprendre à éduquer vos enfants, même à embrasser votre partenaire. Et surtout, on veut nous apprendre à être heureux. Pas si mal. Ces recettes, elles ne sont pas, ou du moins ces recettes miracles, elles se veulent juste rassurantes elles ne vous rendront pas plus heureux, car elles ne sont pas les vôtres. Si vous décidez d'être unique, vous allez ramer à contre-courant, vous allez trébucher, et on voudra même vous mettre à genoux. Mais quelle fierté de se sentir authentique. Ne tolérez plus les excuses, surtout pas celles qui viennent de vous, comme mentor, comme entrepreneur. Je les ai presque toutes entendues. On me dit souvent, vous savez, Madame Henkel, j'aurais pu réussir, mais je n'ai pas eu de parents riches, je n'ai pas la bonne couleur de peau ou je n'ai pas de contact dans mon milieu. Chaque fois, chaque fois que l'on se cache derrière une excuse, on vient de transférer son pouvoir de choisir. On se déresponsabilise et on s'affaiblit. Faites-vous confiance. Si vous voulez faire confiance aux autres, respectez-vous. Si vous voulez respecter les autres, mais surtout, surtout, aimez-vous. Si vous voulez être capable d'aimer les autres et d'être aimé en retour. Si certains pourraient dire que je suis partie perdante, mon instinct, mon intuition, m'a toujours murmuré le contraire. L'impossible peut devenir possible, car mon histoire en est une preuve. Vous avez le pouvoir de changer les choses, peu importe, peu importe vos bagages, peu importe la grandeur de vos rêves, et même, même si vos ailes ont été brisées. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous choisirez de survivre où choisirez-vous de vivre Quel sera votre choix